Yo, salut à tous les gamers, les gamers, c'est Monsieur Moret, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo IRL. Donc qu'est-ce que ça peut bien être? Un compte-rendu du son que je vous ai posté? Et ben non, c'est pour vous informer d'une nouvelle venue à la maison. Donc c'est pas la PS4, c'est pas la Xbox One, mais c'est, je vais la prendre, voilà, la Wii U. Donc ouais, la Wii U est arrivée à la maison, le Père Noël il est passé avant. Donc pourquoi la Wii U? C'est parce que donc c'est Monsieur Gilloël avec il a proposé le premier épisode sur New Super Mario World 3D, 3D World pardon. Et donc je me suis dit faut que je joue à ce jeu. Donc vous aurez prochainement, donc je vais vous dire un let's play sur New Super Mario 3D World avec ma petite sœur. Donc on fera des vidéos ensemble. Donc là, il y a la Wii U qui est arrivée, il y a le jeu que je vais vous montrer après. Et il y a aussi donc le micro Blue Yeti qui va arriver également à la maison d'ici peu. Donc comme on va être à deux, comme je disais avec Yan Yan, quand je fais le let's play sur Rayman, on n'entend que moi parce que c'est moi qui ai le Turtle Beat sur les oreilles et le micro avec. Et ben là, avec le Blue Yeti, ça sera beaucoup mieux. Bon, on va arrêter de parler un peu et on va déballer le bestiau. Hop là. Faut savoir que je ne l'ai pas encore déballé, hein. J'ai été la chercher tout à l'heure et je ne l'ai toujours pas déballé. Donc on va l'ouvrir. Hop. Pour une fois que je galère pour ouvrir quelque chose, c'est super. Donc on a deux étages. Voilà. Là, c'est la première partie. Donc on a les livrets d'utilisation, hein, que personne ne lit d'ailleurs. Donc je regarderai ça après parce que je pense pas que ça vous intéresse spécialement. Donc on va poser ça ici. On a le jeu Nintendo Land pour Wii U. Donc ça doit être des jeux flash, des petits jeux pour jouer à plusieurs. Donc voilà, pourquoi pas, on en fera peut-être des vidéos dessus. Ensuite, oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Donc ça doit être le socle, pas le socle, mais pour poser le gamepad, donc un repose gamepad, on va dire. Voilà, je vais le mettre ici. Qu'est-ce que c'est que ceci? Ça doit être le chargeur du gamepad. Donc ben, ça tombe en plus, j'ai acheté un chargeur pour le gamepad et pour les manettes, donc là on a le chargeur du gamepad. Donc je vais en mettre là-dedans tout de suite. Voilà. Ensuite, ah, j'avais oublié ça parce que j'ai la Wii, mais ça, je me rappelle, ça m'embêtait bien. Ça, c'est le petit capteur de mouvement, donc que je ne pense pas mettre sur ma télé tout simplement parce que je vais pas jouer à autre chose qu'à Mario. Ça dépend si on a besoin. Je pense pas qu'on a besoin du capteur de mouvement, donc je vais le reposer tout de suite là-dedans. Je vais pas sortir. Ensuite, ça, c'est des trucs bizarres. Je ne sais pas pourquoi vous dire ce que c'est. Donc je vais pas vous le dire. Les cordons HDMI. Donc voilà, donc pour vrai que le let's play sur Mario, il va bien me falloir un câble HDMI. Donc j'en ai déjà un. Bon, j'en aurai un deuxième. Enfin, de toute façon, c'est celui-là qui marche, je pense qu'il va fonctionner avec la Wii. Les câbles d'alimentation, les câbles monstrueux d'alimentation. Donc on s'en fout, mais ben là on s'en fout pas parce que sans ça quand même. Faut dire qu'on ne pouvait pas jouer, donc à chaque fois dans les unboxings, les gens ils disent non, on s'en fout des câbles d'alimentation, mais s'il n'y a pas de câble d'alimentation, tu joues pas, quoi. Hop, je vais poser ça ici. Et on va entrer dans le vif du sujet. Le bestiau. Donc là c'est déjà un peu plus lourd. Donc il faudrait pas que je le fasse tomber. Ça serait un epic fail, donc il n'y a plus rien. Non. Je vais poser ça ici, voilà. Pour poser ça tranquillement. Donc, dans le premier compartiment que je suis en train d'ouvrir, ça doit être le gamepad. Donc, on va voir ça tout de suite. Bien emballé. Hop. Ouh. Il y a du scotch dans les. Et là, un peu de scotch en fait. Bon, il y a du scotch, il n'y a pas de scotch. Ah, voilà. Non, c'est juste l'analogue. Donc, voilà. Donc, je vais me rapprocher. Donc vous voyez le petit gamepad, les deux analogues, les petites flèches, les petites touches. Bon, faut dire que j'ai jamais touché à ça, j'ai jamais joué avec la Wii U, donc c'est tout nouveau, hein, pour moi.
Le petit gamepad avec la petite caméra ici, le bouton Home, TV, donc je sais pas encore à quoi ça sert. Donc je verrai, j'apprendrai sur le tas comme je fais d'habitude. Donc vous l'avez vu, le petit gamepad. Donc pour pas le casser, je vais le poser dans un endroit sûr, donc je vais essayer de le remettre là-dedans. J'ai l'impression que ça va être vraiment la lutte. On va essayer quand même. Hop. Oh là là, quelle idée de faire un unboxing de la Wii, vraiment. Voilà. Bon, elle n'est pas très très bien remise, mais c'est pas grave. Je vais la poser ici. Et là, là, c'est plus important quand même. C'est la console, la Wii U. Donc, on va enlever le petit plastique. Donc, désolé, on n'a pas l'habitude de faire les unboxings. Donc, si je regarde pas trop la caméra, ce n'est pas de ma faute. Voilà. Donc, voilà la Wii U. Il est où le devant? Il est là le devant. Donc, moi, je cherchais là, à la manière d'une Xbox One, mais non, le devant, il est là. Donc, avec le bouton Power, Eject, synchronisation, donc ça, c'est avec le capteur de mouvement. Donc, j'espère que je ne vais pas être obligé de le mettre, sinon ça va vite m'énerver. Derrière, on a deux sorties USB, sortie HDMI, AV, l'alimentation, le petit ventilo et un truc étrange ici. Donc, je vais. Hop là, hop, l'arrière et l'avant. Voilà. Donc ben voilà, on a tout déballé. Donc maintenant, il y a aussi ça que je dois vous montrer. Donc c'est ce jeu qui m'a poussé à acheter la Wii U. Donc je sais pas si vous voyez bien ce qu'il y a encore sous blister. Donc New, non, Super Mario 3D World. Donc on va le déballer. Parce que de toute façon, après, je vais jouer un peu. Bon, je vais pas rec, comme j'ai pas reçu le Blue Yeti encore. Mais je vais le tester, puis ma petite soeur va le tester aussi. Est-ce que, comme je veux faire le let's play dessus, il faut qu'on sache, qu'elle sache et que je sache également me servir un peu du gamepad si j'arrive à l'ouvrir, ce truc. Oh putain, vous allez me voir en mode galère. Tu peux me passer le couteau, s'il te plaît? Merci. Oh, vous avez une main, donc c'est ma petite sœur. Donc non, mais si même avec un couteau, j'arrive pas à l'ouvrir. Ouais. Bon, c'est dur. Hein. Hop. Voilà. Poser le couteau ici. Parce que le couteau, c'est dangereux. Ah! Ça coule. Hop. On déchire tout à la barbare. Allez. Eh ben, j'ai mis plus de temps à déballer le jeu qu'à déballer toute la vie. Allez. On va essayer de la boîte. Voilà, ça va plus vite comme ça. Donc voilà. Super Mario 3D World. Donc quand on l'ouvre, on a un petit code. Donc que je gratterai après. Je sais pas à quoi ça sert. C'est peut-être pour avoir des cadeaux, apparemment. Après, on a le comment on doit les touches du gamepad. Et les notices d'utilisation. Et le très joli CD avec, on a Mario en petit chat. On le voyait. Voilà. Donc bah voilà, dès que le Blue Yeti arrive à la maison, je vous ferai peut-être un unboxing. Vous dites-le moi en commentaire si vous voulez. La chanson que j'ai postée, merci, elle vous a beaucoup plu. J'ai même vu qu'il y a des rageux qui ont rejoint les rangs donc en tant qu'abonnés. Donc ça fait plaisir aussi de que vous changez un peu d'avis, de façon de penser. Il y a un autre son qui va arriver, donc encore un son, ouais, je sais que peut-être ça vous plaît pas trop, mais c'est pas un son de moi, c'est un son d'un chanteur donc, qui a fait des chansons pour Galardox, qui a fait des chansons pour Suce-moi Salapinou, qui a fait une chanson pour Saucisson Furtif. Donc c'est Boris, donc de toute façon, vous verrez lorsque la vidéo sortira. Pour la semaine abonnée, donc je pense que je vais décaler un peu tout. Normalement, aujourd'hui, je devais jouer avec vous, faire quelques petits épisodes, mais bon, j'ai pas eu le temps. Et puis à partir de demain, bah, je vais être en stage en entreprise, donc ça va être un peu plus short. J'essaierai de vous cette semaine, donc ça serait vraiment après 6 heures du soir.
Donc je sais pas si vous me dites quoi dans les commentaires. De toute façon, j'ai vu que la plupart vous m'avez demandé sur Skype. Donc pour ceux qui n'auraient toujours pas mon Skype, donc c'est Monsieur Moret. Donc comme la chaîne YouTube, vous prenez mon chaîne YouTube, vous le tapez sur Skype et vous m'ajoutez. Ensuite, oui, je parlais que à chaque fois j'oublie de le dire dans mes vidéos, mais je vous invite fortement à me suivre sur Twitter. Donc pourquoi Twitter? Parce que j'y suis toute la journée. Donc que je sois chez moi ou non, j'y suis toute la journée. Parce que toutes les notifications, les tweets, les retweets, les unfollow, les follow, je reçois tout sur mon smartphone. Et je vous invite franchement à me suivre sur Twitter si vous voulez. Parce que voilà, les commentaires avec Google+, c'est chiant malgré que j'essaie de répondre à un maximum de commentaires. Il y en a, j'aimerais répondre, mais je ne peux pas parce que voilà, c'est Google+. Mais je vous invite fortement à me suivre sur Twitter. Donc Twitter, c'est pareil, hein, c'est @monsieur Moret. Donc c'est @MRMRMoret comme d'hab. Et voilà, donc c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Merci de me suivre. On est de plus en plus. Ça fait vraiment plaisir. Les rageux, continuez aussi à être là parce que vous me faites beaucoup rire. Et si vous n'avez pas compris avec ce que je vous ai sorti hier, j'essaie de vous faire recomprendre. Parce que faut savoir aussi que j'ai envoyé toute la musique au rageux en question. Il n'a pas un qui a répondu, hein. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc c'était Monsieur Moret. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les gamers.